Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'IA et Anna aux Antilles françaises. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un tourment d'amour, cette pâtisserie traditionnelle des Saintes. Pour cela, vous aurez besoin de tous les ingrédients qui sont ici. Ils vont tous être détaillés dans la barre d'infos. On commence tout de suite avec la préparation de la crème pâtissière à la citère et au rhum vieux. On crée une mousse avec les jeunes œufs et le sucre de cale. Et on y ajoute petit à petit la farine. On met ensuite le lait sur le feu, auquel on ajoute le zeste de citron, l'essence de vanille et l'essence d'amande amère. On n'oublie pas bien sûr le bâton de cannelle. Lorsque le lait commence à bouillir, on ajoute notre préparation à base de jaune d'œuf, de farine et de sucre. La crème est prête lorsqu'elle se décolle facilement de la casserole. On peut alors rajouter notre confiture de prunes de citère. Et bien sûr, notre rhum vieux. On passe ensuite à la réalisation de notre pâte sapée. On mélange la farine, le beurre, le sucre et un jaune d'œuf. J'ai essayé d'en faire une boule et de l'étaler sur le plan de travail, mais ça n'a pas fonctionné comme prévu. Je vous propose donc de l'ajouter dans votre moule, morceau par morceau. Pendant que la pâte sablée repose, on se lance dans la préparation de la génoise à la cannelle. On vient d'abord mélanger les œufs, la cannelle, l'essence de vanille, la muscade, le sucre de canne et le zeste de citron. On ajoute petit à petit la farine au mélange. Il est maintenant temps d'assembler notre gâteau. On commence par verser la crème pâtissière sur la pâte sablée. On ajoute ensuite notre génoise. Et on enfourne le tout à 180 degrés Celsius pendant une heure. Vous pouvez déguster le gâteau chaud. Moi, j'ai préféré le laisser reposer toute la nuit pour pouvoir le manger au petit déjeuner. Je n'ai pas regretté mon choix en me réveillant ce matin. Bon appétit et à très bientôt sur les réseaux sociaux de l'Alliance française de Trinidad et Tobago.